quoi? Ouais, Black Ops 3 il est moche. Color. Ouais. Il est ma Jingo en or. Bien, voilà, en fait. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Je pense que vous avez vu la mini-intro avant où je mets justement la nucléaire contre Dikiku français. En soi, c'était plutôt assez marrant comme game parce que me faire traiter de hacker, de lobbyman, etc. C'est quand même assez drôle, tu vois. Mais bon, je vais expliquer pourquoi, etc. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, n'hésite pas me défoncer la barre des likes. Je sais que vous êtes très friands de Call of Duty Black Ops 2 parce qu'on va dire que la communauté FR adore ce jeu là et que voilà, je vous propose du Call of Duty Black Ops 2 aujourd'hui avec une nucléaire justement à la N94 solo sur Plaza, tranquille au calme, tu vois, on est posé sur du Call of Duty Black Ops 2, un Call of Duty qui continue à marcher également sur YouTube. C'est incroyable, ce jeu là qui continue à marcher après des années de sortie. Et on a beau aimer Modern 3, on a beau aimer Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2 restera, je pense, la base d'un Call of Duty sur tout ce qu'on a aimé. Et on a beau avoir craché sur ce jeu lors du trailer, et c'est également pour ça que je vais faire également un petit lien sur World War 2 plus tard. On a beau avoir craché sur le trailer, il faut savoir que c'était un des Call of Duty les plus détestés lors du trailer. Hein. Lors du trailer, ça a été un des Call of Duty les plus détestés parce qu'on le trouvait un peu trop futuriste suite à certaines images. Je pense qu'il y avait une sorte de moto, etc. Enfin, moto futuriste et tout, qu'il n'y a jamais eu dans le multi et encore heureux à ce jour. Mais en soi, c'est vraiment un des Call of Duty qui continue à fonctionner, que ce soit sur YouTube, que ce soit au niveau du multi, que les gens adorent y jouer, même hein, par rapport à Call of Duty sur PlayStation 4, hein, Call of Duty Black Ops 2 sur Play 4, je pense que voilà, vous avez vu beaucoup de vidéos, hein, étant donné que j'ai fait une sorte de mini troll, vous savez très bien que voilà, c'est un des Call of Duty les plus appréciés à ce jour, et je pense que ça fait du bien de temps en temps revoir ce Call of Duty Black Ops 2. Enfin bref, donc pour vite vous expliquer la situation, j'étais donc entré dans une game tranquille sur Call of Duty Black Ops 2, je sortais de Modern Warfare 3, j'avais envie de jouer à BO2 parce qu'il y avait Ghost qui faisait ses lives, etc. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer tranquillement à BO2, tranquille, voilà, sans pression. Et première game, je claque une nuque et justement, je suis tombé face à ce groupe de Français, un groupe de Kiku FR. Et je leur ai claqué la nuque et en fait, on m'a traité de modeur, de hacker, etc. Et en soi, tu vois, tu peux pas vraiment leur dire, ouais, t'as tort, etc. Parce que en ce moment, Call of Duty Black Ops 2, enfin, plutôt les anciens codes comme MW3, etc., sont remplis de hacks, etc. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, je vois beaucoup de youtubeurs et en plus, j'en ai vu certains qui se sont embrouillés avec d'autres. Moi, personnellement, je m'en fous tant que tu touches pas le multi. Franchement, tu touches pas le multi, je m'en bats les couilles. Genre, tu peux aller, je sais pas, en privé, t'amuser à faire ce que tu veux, etc. Je crois qu'en plus, il y a eu une ou deux vidéos Apex là-dessus, où il y a des sortes de toboggans assez marrants au niveau modding. Mais tant que tu touches pas le multi, moi, je m'en bats les couilles. Franchement, je vous le dis tout de suite, je m'en bats les couilles. Au sens du terme que, voilà, c'est un jeu, même si on l'adore, etc. Et on peut plus y rejouer, parce que peut-être il y a certaines personnes qui s'amusent à le détruire. Moi, je m'en souvenais qu'à une époque, Call of Duty Black Ops 2 était totalement injouable. C'était totalement en mode gros pétage de câbles. C'était l'époque où justement il y avait Advanced Warfare et les gens décidaient de retourner sur Call of Duty Black Ops 2 et Ghost. En tout cas, moi, je retournais sur Ghost et Call of Duty Black Ops 2. Et le truc, c'est que voilà, moi j'ai détesté Advanced Warfare, c'est un Call of Duty qui m'a pas du tout apprécié, que j'ai pas du tout apprécié, excusez-moi. Et retourner sur des Call of comme Call of Duty Black Ops 2, ça m'a fait beaucoup de bien, etc. En fait, limite c'était vidage de tête, tu vois. Ça m'a vraiment vidé la tête de Advanced Warfare, que j'avais détesté ce jeu-là. Et quand j'ai repris du plaisir sur Call of Duty Black Ops 2, bah forcément il y avait des accueils où vraiment il y avait des soirées où on trouvait zéro game potable et c'était que des modes lobby, etc. Et ça, c'est vrai que c'est chiant, on va pas se le cacher, mais genre tu peux avoir des modes mais genre ultra stylés.
pour ceux qui m'ont vu en live sur Modern Warfare 3, par exemple, je balançais de la domination, le mec décidait que oui, c'était de la domination, mais au lieu de faire de la domi, c'était du 9 vs 9, du 9 vs 9 en domination. Le mec ne trichait pas du tout, hein, il avait pas de wallhack, il avait rien du tout, mais il avait décidé tout simplement que les accueils, au lieu d'être en 6 contre 6, étaient en 9 vs 9. Et c'était génial, c'était franchement, c'est le pur kiff parce que tu fais beaucoup plus de kills, etc. etc. Et franchement, c'est juste génial, c'est vrai, c'est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas ça sur Call of Duty Black Ops 2, des mecs qui créent des lobbies 9 vs 9, parce que ça serait juste énorme de pouvoir s'amuser comme ça, faire beaucoup plus de frags, parce que en soi, le but d'un Call of Duty, c'est également que tu prennes du plaisir, tu vois, claquer des nuques dans le plus grand des calmes, tu t'amuses, etc., tu prends ton kiff et tout. Et c'est un peu dommage, c'est que plus on avance dans les Call of Duty, et moi, je trouve, hein, et plus, en fait, il y a des choses qui te font rager. Qu'est-ce que je pense? Je pense à Infinite Warfare, il y a beaucoup de choses sur Infinite Warfare qui me font rager, qui m'empêchent de prendre du plaisir. Je vais également prendre le cas de Call of Duty Ghost. Ghost, même si j'ai beaucoup apprécié le jeu après la saison de Ghost, c'est-à-dire quand il y a eu Advanced Warfare et que toutes les personnes forcément qui jouaient pas forcément très réglo se sont barrées sur Advanced Warfare, et puis t'arrives sur un Call of Duty Ghost où les personnes ne jouaient plus ou très très rarement EEI, hein, pour ceux qui s'en souviennent, la EEI, oh là là, qu'est-ce que c'était casse-couille la EEI, pour ceux qui s'en souviennent, en fait c'était une mine, mais genre ultra cheatée, ça veut dire que, en fait, tu sais, par exemple la mine, je sais pas moi, de Call of Duty Black Ops 3, en fait c'est une bêtise bondissante, excusez-moi, de Call of Duty Black Ops 2, tu la poses à terre, le machin s'envole, il te fait exploser, ça veut dire que t'as le temps au cas où de te coucher pour éviter de te prendre la mine. Le problème c'est que sur Ghost, tu te prenais une grosse mine, c'est-à-dire que tu le collais par exemple contre un mur, parce que oui, ça pouvait être collé contre un mur, cette merde, et en fait, t'avais une détonation de 1 seconde et t'étais mort. C'est-à-dire que ça faisait titin, boum. En fait, tu ne pouvais rien faire. Je déconne vraiment pas les gens. C'est-à-dire que t'entendais le tintin, tu savais que c'était la fin de ta vie. Tu savais que tout ta vie défilait sous tes yeux et que tu pouvais, je sais pas, être en série triple KM, etc. Et que le mec, voilà, il te foutait un gros, gros, gros coup de EI et puis c'était fini, quoi. Fallait vraiment avoir bouclier anti-explosion quand tu étais en spécialiste, parce que sinon, c'était fini. Donc voilà, et puis si on peut dire un petit truc, voilà, donc un petit Call of Duty terre-à-terre, retour aux sources, parce que en soi, World War 2, voilà, ça sera un Call of Duty terre-à-terre, donc ça fait extrêmement plaisir de rejouer, de reprendre ses vieilles habitudes, de rejouer terre-à-terre, etc., parce que le style de jeu est totalement différent entre un Call of Duty Black Ops 2 et un Call of Duty Black Ops 3, parce que le terre-à-terre, c'est totalement différent au niveau déplacement, tu peux pas te permettre de rusher n'importe comment, etc. Faut que tu aies des déplacements totalement différents, et c'est pas juste les, comment ça s'appelle, les jumps qui vont pouvoir te sauver, hein. C'est-à-dire que sur Call of Duty Black Ops 3 ou Infinite Warfare, si tu es dans la merde, tu peux essayer de jumper, wallrun, etc. pour essayer de t'échapper à une situation. Tandis que sur Call of Duty terre-à-terre, sur des Call of Duty terre-à-terre, c'est plus une question de skill qui va pouvoir te mettre en avant. Alors comme je dis et je le répète, c'est pas parce que tu es forcément bon en jetpack que tu es mauvais sur un Call of Duty terre-à-terre. Je dis pas ça du tout les potes, attention, hein, je dis pas ça, mais tout simplement que c'est des styles de jeu différents. Par exemple le vrai spawn kill, en tout cas si sur World War 2 on pourra spawn kill, pas comme sur Infinite Warfare ou bon, Advanced Warfare, tu pouvais même carrément spawn trap, mais bon, c'est pas vraiment le meilleur des exemples, mais par exemple sur Infinite Warfare, tu peux pas vraiment spawn kill, quoi, comme sur Call of Duty Black Ops 3 ou BO2, et les personnes qui se plaignaient justement en disant « Oh, c'est pas bien de spawn kill sur Call of Duty Black Ops 3 », désolé de vous l'apprendre, mais si sur World War 2, ça risque d'être des spawns comme sur Call of Duty Black Ops 2, vous allez vraiment connaître la définition du mot spawn kill, parce que sur Call of Duty Black Ops 3, le spawn kill, il est pas réel. C'est-à-dire que oui, tu peux spawn kill, etc., mais c'est pas un vrai spawn kill comme sur Call of Duty Black Ops 2. Vous avez vu comment à un moment donné, je tournais dans une certaine zone pour les tuer, etc. Parce qu'en soi, c'est totalement différent et qu'on ne peut pas voilà, juger deux styles de spawn kill, que ce soit dans les airs ou à terre, tout simplement. Ça, vous allez voir qu'il y a, pour ceux qui ont commencé sur Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3, vous allez vraiment vous rendre compte que le terre-à-terre, c'est pas du tout la même chose que jetpack. Enfin, en espérant que sur World War 2, on se retrouve pas avec des jetpacks totalement inattendus, et je pense que là-dessus, on va quand même éclater de rire. Je pense que si en trailer de World War 2, je vois un jetpack, je te jure, à tête de WAM, je vais commencer à éclater de rire. Parce que voilà, en World War 2, on s'attend pas à avoir des jetpacks, mais je pense pas. Ça sera un Call of Duty terre à terre, ça a été dit. Enfin bref,
on peut être étonné, hein, comme sur Modern Warfare 3, il disait, ouais, il n'y aura plus de dernière bataille, etc. Et au final, on s'est retrouvé avec une main de la mort, mais totalement ultra cheatée. L'explosion, ça faisait exploser ton appartement. C'était un peu abusé. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, parce que c'est très important. J'aimerais bien connaître l'avis de ma communauté là-dessus. C'était Loctet2. N'oublie pas le like, le commentaire et de partager la vidéo. Ça aide toujours à monter. Ciao, ciao tout le monde.